En octobre et décembre 2023, puis en janvier 2024, la Turquie mène une série de bombardements aériens par drone et par avion contre les installations de production de pétrole, gaz et électricité, ici dans le nord et l'est de la Syrie, au Rojava. Le réseau d'électricité est devenu hors service et la production de pétrole et de gaz a fortement diminué. Depuis 10 ans maintenant, cette zone en jaune est autogérée par les Kurdes syriens et leurs alliés, arabes, syriaques et autres peuples de la région. Ils ne demandent pas l'indépendance, mais une autonomie politique dans une Syrie décentralisée et démocratisée. Bachar el-Assad contrôle toujours cette zone rouge et il aimerait bien reprendre le contrôle de tout le territoire syrien. Dans le nord, la Turquie contrôle Afrin, en vert sur la carte, et la région entre Tal Abyad et Serekenye, en gris. Elle les a envahis en 2018 et en 2019. Les puits de pétrole syriens sont situés dans le nord-est. Ici, à Souadiya, se trouvait la plus grande des centrales électriques de la région. Elle fournissait de l'électricité dans tout le nord et l'est de la Syrie. Ajid Abdulmajid, le gérant de la station, est très en colère. Le pétrole est la principale source de revenus de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, l'ANS. Elle a vu baisser de 80% ses revenus à cause de la destruction turque. Donc, moins d'argent pour les établissements scolaires, les hôpitaux, l'infrastructure et tout le personnel du service public. Les citernes de stockage, les compresseurs de gaz, les transformateurs, les turbines qui produisent l'électricité pour le réseau ont tous été bombardés. La réparation se fait au compte-gouttes et sous la menace permanente de drones qui continuent à circuler dans l'espace aérien. Mahmoud Jouan a perdu 10 kilos depuis la dernière attaque de janvier. Il travaille jour et nuit pour réparer les dégâts. Les compresseurs de gaz sont détruits aussi. They know what they do. Turkish. Turkey knows what she does. Zanin kijan kijan dar we malat darar jebustini kahraba gas petrol al hamiji had dar baad. Abel kulum rahu kamalat ahtarku. Khalas. Ghair qabil lil khidme. Ha. أبخنا ما يعني نما تنصلحان نشون حمو ضربين يعني نقطع عيوان هنن ونام كارم أما بري ما يعني ما دبر عندنا قطعة فرد ورد يعني مطاني بس أنا بدك كير شو يعني في نظام بدي شو سنة صار جارة أول دجارة المدان جارة أول ليه خص طيارة هورو دشو دهات والله ما بتشعب يا خدي طيارة دشو دهات دهات مكوك هذا بابش وما تصلحها جارة دوا جارة دوا أجرت كاتو ما دهات الطفات بخونا داري وسرسرة ما غرر أم ناترسن. En poursuivant notre route vers l'ouest, nous rallions le site de Tiloda où gaz et pétrole sont stockés dans d'imposantes citernes. Sous les bombardements, le pétrole s'est répandu et a brûlé pendant 48 heures. Cette région est censée être sous la protection de l'aviation des États-Unis et de la Russie.
Mais comme la Turquie fait partie de l'OTAN et entretient de bonnes relations aussi avec la Russie, les puissances internationales regardent ailleurs quand la Turquie bombarde. Le responsable, Nadem Ozan, est catégorique. Quelques kilomètres plus loin, dans la station de Saïda, sur la frontière turque, le même décor désolé. Deux ouvriers sont inquiets. Nuit et jour, des drones ne cessent de survoler le site. La Turquie ne veut pas que celui-ci fonctionne de nouveau. Un poste militaire turc se trouve juste de l'autre côté de la frontière. Il nous observe. Pour remédier à la destruction du réseau électrique, des habitants utilisent des générateurs au diesel. Mais c'est très polluant et bruyant. À Kamishli, dans un bruit assourdissant, ils tournent jour et nuit. Ces générateurs sont fournis par l'administration autonome et produisent l'électricité pour la plus grande boulangerie de la ville. L'odeur de pétrole prend à la gorge. Les gaz d'échappement sont très nocifs et cancérogènes. Cette boulangerie privée en utilise aussi pour faire fonctionner le four. De même, dans les grands immeubles, les gens se cotisent pour installer ces générateurs qui tombent régulièrement en panne. The generators have one problem because they're very susceptible to breaking in the heat. So now that the summer is approaching with very extreme temperatures, it can get up to 50 degrees here. Some streets might be without electricity, for example. The area that I'm living, we only have electricity from 4 p.m. until midnight. La pollution n'empêche pas les jeunes de jouer au foot. Deux équipes locales s'affrontent. Le match est interrompu à cause d'une coupure d'électricité. Il ne reprendra pas. L'équipe de Gassem, du Rojava Information Center, a gagné. Il y a une autre option, l'énergie renouvelable. Les gens se ruent vers des panneaux solaires. C'est la seule conséquence positive des attaques turques. Dans les villages, ceux-ci sont installés, surtout pour pomper l'eau des puits. هاي استخدام الواح الطاقة الشمسية مشان الزراعة ومشان أيضا كمان تنور البيت بيها. Switch over to solar panels, but the infrastructure of solar panels is still very weak here because they're very expensive, especially through the embargo that is put upon this area both by the Syrian regime and by foreign states. So it's very hard to bring in the material. From Bashur, so from the KRG region, but also from the regime areas, because there's a high tax put upon them. Même si la situation au Rojava est meilleure que dans le reste de la Syrie, la vie quotidienne est très compliquée. L'inflation est galopante. Ce tas de billets de livres syriens représente à peine 30 euros. Cependant, les gens font tout pour faire avancer la démocratie directe et participative. Berivan Omar préside un séminaire sur l'écologie et l'énergie. Elle est responsable du réseau des municipalités et a de fortes chances d'être élue maire de Kamishli, si des élections ont lieu. يعني شروجا ما قبل بجارتن راغاندية هرقو مقارن بيشن كفخاريا دولة ترك بردواما دخوا يعني أما دبينن قود يعني دفكي واهي قو دفي هريمي مسألة ديمقراطية بيكنين مسألة قلب هفر جيان لكن
واتهيا هل بجارتنا إن شاء الله دارياتي واتهيا قوغاوكين برامبري ديمقراسيين بيتر أمكارن بيجن كور أمداويجن. Le président turc Erdogan menace de bombarder à nouveau si des élections municipales sont organisées. Erdogan les considère comme une menace pour la sécurité intérieure de la Turquie. Le projet politique du Rojava prône le vivre ensemble entre toutes les communautés. Ce nouveau système politique est basé sur les communes et les municipalités, mais il y a aussi les assemblées législatives cantonales. Il y en a 7 et cela permet à toute la société civile de participer activement. مساحتها الجغرافية ما تشبه لا الرقة ولا حتى الجزيرة فما بعرف عم تختلط الأمور ببعضها Hikmet Habib, un arabe, préside l'Assemblée. Les djihadistes ont tué 11 membres de sa famille et il a quitté l'armée syrienne libre ASL après des exactions contre la population civile. Depuis 10 ans, il cherche une solution avec Damas visant à l'autonomie du Rojava. Sans résultat pour le moment. سوف تكون مرحلة دستور ديمقراطي وهذا الدستور الديمقراطي يؤدي إلى تطبيق هذا الدستور وبالتالي ذهاب إلى الانتخابات وذهاب النظام إلى الانتخابات سوف يخسر Ici à Raqqa, à majorité arabe, des femmes votent pour une des deux candidates à l'Assemblée des femmes qui fera partie du prochain conseil municipal. L'État islamique fit de Raqqa sa capitale, soumettant la population d'une main de fer, avant qu'elle ne soit libérée par les FDS en 2017. Aujourd'hui, l'État islamique menace à nouveau. Des cellules dormantes sont régulièrement démantelées. Les forces démocratiques syriennes, celles et ceux qui ont combattu Daesh, sont la cible de drones turcs. Après avoir pris des mesures de sécurité, nous rencontrons un des porte-parole des YPG, les unités de protection du peuple. Zvamed Ali dénonce la collusion entre la Turquie et l'État islamique. هفكاريك نبرة دولتها ترك وداعش ده بير زلال سر عرضه هاي وهناك يجي بير ديارة دريا عمليات واقع قول دجي هيزا قول سركيشيا شريت نكرنا داعش هيك همان ده مدجي بصدق قرتين وانا كي يجوا اعترافات وهذا سمع ده هنا هروها قادات وفرماندار ومرة ان داعش يجونها الهرم ان داعش كرين الجمد دولتها ترك Les Kurdes demandent à la coalition internationale et à la Russie un no-fly zone pour empêcher les incursions de l'armée turque. Sans succès. Je veux que la coalition de la Russie ou de la Russie, je veux que deux actifs actives soient garantis le Védarina. Puis, oui, c'est vrai que les Kurdes ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire De l'autre côté, les FDS sont confrontés au régime syrien qui, avec le soutien de la Russie, aimerait revenir dans la région, mais sans ne donner aucune concession pour une Syrie décentralisée et démocratisée. Le régime chami hindou est en train de se faire en 2011. برنگ خوی امنی، برنگ خوی عسکری و بذهنیت بعثی لسر تبایی سوری جاره کدی سرور ببین هر بات امجی وی قبول ناکن سوریا کی تنه تک علم، تک زمان، تک ثقافت ام قبول ناکن و ام بلسر بب اصرارن Le Rojava se trouve ainsi isolé de toutes parts et l'État islamique en profite. Après chaque incursion de l'armée turque, des cellules dormantes se réveillent et attaquent. Il reste toujours 60 000 membres, sympathisants et familles de djihadistes dans les prisons du nord-est de la Syrie. Nous avons pu visiter le camp de familles de prisonniers irakiens dans le camp d'Al-Hol, pas loin de la frontière irakienne. Les familles,
أو قصان وشين يعني بإثبات ودلائل وثائق يعني درباري دستك تركي جدا عشرة دركتن أورتي أفياك أولي دنجي وقتك وإيريشين دولة تركي لسر هرمي تشيد بي أف بخو بشكل طبيعي ريل بيشيا إنعاشا داعش فاتكة جباركو تفليهفي تشيد بي داعش جنودة سري هلد ده ده قامبادا ده زندانا ده كاسي نوفا جواكي ده خوفا شارتنا هنا حجرين رازاي أولا جنودة إنعاش تبنو همان ده كافن حركاتي وجاركي دي خوري خستن دكن. Les autorités du Rojava demandent l'installation d'un tribunal international pour juger les djihadistes, mais il n'a toujours pas été mis en place. La plupart des pays européens refusent le rapatriement et entre-temps, il y a plus de naissances dans le camp que de gens rapatriés. C'est une bombe à retardement. Ailleurs, d'autres camps existent dont la presse internationale ne parle jamais. Comme ici, dans le camp de Washokani, à côté d'Azake. Le matin, la priorité est de remplir les bidons avec de l'eau qui arrive en citerne. On est en mai et la température monte déjà. Ces déplacés internes sont les victimes de trois opérations militaires turques, en 2016, en 2018 et en 2019. Elle y applique un changement démographique et une épuration ethnique. Tous ces gens avaient une vie plutôt tranquille et aisée. Maintenant, ce sont des réfugiés. يعني هالأطفال هاي شو يصير فيها بهالحر هذا بهالشوب هالحر الأطفال هاي لا في كهرباء لا في شيء لا في This is the most miserable situation that we live in. بس رجعونا على بيتنا Ne sais pas.